On a la chance, Kevin, de poursuivre notre tournée des régions et aujourd'hui, on sort du Québec. On s'en va faire un tour au Nouveau-Brunswick. Ouais, plus spécifiquement à Moncton pour aller parler à Nathalie Fougère qui est avec nous, elle qui est bénévole à la Fondation INCA là-bas. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Kevin vient de le dire, tu es bénévole à la Fondation INCA, mais tu es impliquée aussi dans différents organismes qui desservent les personnes qui ont un handicap visuel. Et avec la pandémie, bien, la grande majorité des activités qui étaient offertes ont été suspendues. Par contre, il y a énormément d'activités virtuelles qui ont été mises en place et toi, tu as choisi d'y participer pour garder des contacts avec les gens. Oui, absolument. Alors, la façon dont ça s'est déroulé, c'est qu'avant la pandémie, nous avions l'occasion d'avoir beaucoup d'activités en personne avec INCA. Par exemple, les quilles, avec des activités d'artisanat, des différentes soirées sociales. Mais là, avec la pandémie, tout ça, ben, ça s'est tout annulé. Alors, on a fallu trouver d'autres moyens de pouvoir participer. Alors, grâce à certaines personnes qui avaient des grandes, des belles initiatives, on a eu l'occasion d'avoir beaucoup de sessions en ligne, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau des personnes non-voyantes, la technologie, le clavardage. Alors, j'ai pu faire partie de ces merveilleuses occasions-là, puis j'ai vraiment adoré là, depuis ce temps-là. Bien, comme n'importe qui, en fait, c'est un apprentissage d'apprendre comment fonctionne Zoom. C'est sûr que ça a ses limites. On ne peut pas s'organiser des parties de quilles sur Zoom, mais ça a aussi des avantages. Ça vous a permis notamment d'élargir le cercle social des personnes avec un handicap visuel au Nouveau-Brunswick. Oui, il y a eu des grands avantages. Moi, au début de la pandémie, les gens me parlaient de Zoom. Je disais, Zoom, c'est quoi ça? J'avais vraiment aucune idée qu'est-ce qu'était Zoom. Puis maintenant, je peux dire que je suis vraiment accro. Ça nous a donné tellement des bonnes occasions. De pouvoir connecter, non seulement de parler avec des gens qu'on connaissait peut-être de la région, mais aussi des nouvelles personnes et des personnes partout au pays qui peuvent vraiment devenir des amis à long terme. Ça vous a permis d'élargir votre cercle social, mais ça l'a permis à vous et à beaucoup d'autres personnes de vivre l'isolement différemment, puis d'avoir des contacts avec les gens, de pouvoir partager sur ce qui se passait dans votre vie, de parler de vos émotions. Ça a été aussi un bel avantage là, pour votre santé émotionnelle de pouvoir participer à ces activités-là. Oh oui, tellement pour moi-même, puis aussi des gens auxquels je parlais lors de ces groupes de clavardage disaient qu'ils se sentaient très isolés, très seuls, puis se demandaient comment ils pouvaient passer au travers. Et c'est grâce à ces sessions-là qu'ils ont pu réaliser, hey, moi, je suis pas tout seul là-dedans. Il y a des personnes qui vivent les mêmes choses. Ça a été tellement des beaux échanges, puis c'est ça qui nous garde connectés aussi. Ben oui, à tout le moins, cette plateforme-là sert de soutien émotionnel, si ce n'est que pour ventiler sur certaines frustrations du quotidien. Et il y en a quand même des frustrations qui demeurent. Moi, j'ai été surpris d'apprendre avec le dossier de recherche que à Moncton, le transport adapté n'est pas offert aux personnes avec un handicap visuel. C'est étonnant. Oui, c'est très étonnant et très, très malheureux aussi. L'entreprise qui s'occupe de ça, eux autres, ils disent que nous, les personnes non-voyantes, on n'a pas assez d'une limitation physique pour pouvoir accéder au transport. Le fait de ne pas avoir accès au transport adapté, d'avoir uniquement accès au transport en commun, vous cause des défis actuellement parce que les services ont été modifiés. Oui, absolument. Alors, depuis la pandémie, pour donner l'occasion aux autobus d'être nettoyés, il y a un grand espace de temps où l'autobus ne passe pas. Alors, ça commence à 7 heures, vers 7 heures le matin, et ensuite, à 11 heures, ça arrête jusqu'à 15 heures. Pour avoir un gros espace de 4 heures de temps où est-ce qu'il n'y a aucun service d'autobus. Puis là, ça commence à 15 heures jusqu'à 19 heures et là ensuite, l'horaire d'autobus est terminé. Et là, ça amène des défis au niveau de l'achat, par exemple, de la nourriture, aller à la pharmacie, aller à ses rendez-vous médicaux ou simplement aller travailler, le fait d'avoir des horaires aussi courts dans la journée. Oui, absolument. Ça cause beaucoup de défis pour des gens aller à leur rendez-vous. Maintenant, à partir du 15 novembre, on va avoir certains autobus qui vont revenir à l'horaire normal, mais ça reste que des personnes qui habitent un peu plus loin dans la ville qui n'ont pas accès à ces autobus-là. Ça cause vraiment un défi, là.
Ben oui, parce que c'est bien beau Zoom, mais on a quand même aussi besoin de se sentir en contact avec sa communauté, sa ville, ses citoyens, ses parcs, tout ça. Donc, on espère que la situation soit remédiée rapidement. Dans tous les cas, ça nous a fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui, Nathalie. Ah, ça m'a fait un grand plaisir, moi aussi. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Puis je pense que vous avez bien démontré la nécessité de maintenir des contacts sociaux, mais aussi la nécessité d'avoir des ressources communautaires qui sont là pour aider les gens à traverser la pandémie. Oui, absolument.